la mesure où je ne connais pas tout le monde, j'imagine que tout le monde ne me connaît pas, donc me présenter, c'est la moindre des choses. Éric Ardouin, je suis directeur général des services, et donc à ce titre, ben, je dirige sous l'autorité du président l'ensemble du service du département. Et de quoi allons-nous parler cet après-midi? Nous allons parler de la nouvelle organisation des services. Tout commence en 2004 lorsque les socialistes d'Ille-et-Vilaine gagnent les élections départementales sur un programme d'aménagement du territoire. Pour ces élus bretons, il n'y a pas d'égalité des chances s'il n'y a pas d'équilibre du territoire. La répartition des équipements et des services sur le territoire doit concourir à l'égalité des chances quel que soit son lieu de vie. Forte de cette conviction, la majorité socialiste présidée par Jean-Louis Touraine vote la création de cette agence sur les principales villes du département. Une nouvelle organisation en découle, puisque des missions vont être transférées du siège vers les agences départementales. Éric Ardouin est chargé de la mise en œuvre du projet. Je vous rappelle, bien que je les ai beaucoup répétés, les différents enjeux. Pourquoi? Parce que ça nous paraît important de toujours rappeler pourquoi est-ce qu'on fait cela. Nos élus souhaitent mettre en valeur l'aménagement du territoire. Leur idée consiste à dire, nous avons la chance d'avoir au centre du département Rennes, mais autour, un certain nombre de villes moyennes qui sont autant d'endroits qui sont dynamiques pour le développement économique, pour le développement démographique. Eh bien, nous, élus du département, il est important que nous nous occupions du maintien du dynamisme de ces villes moyennes, que nous appelons des pôles d'équilibre, et donc que tous nos efforts tendent à doter ces villes d'un certain nombre de services qui vont faire que la population sur place trouvera un certain nombre de réponses à ses attentes.